Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les signes astro au pif. On va faire les scorpions, on est parti. Quels sont les messages pour les scorpions? Parce qu'il n'y en reste que deux, hein, tout simplement. Alors, brasser deux cartes en attendant qu'elles tombent, ça va être compliqué quand même. Hein, voilà. On va aller prendre un message des petites fées pour vous, les scorpions, d'abord, de point de vue général, pour voir un petit peu quelle est l'énergie qui vous accompagne, quel est le message des petites fées. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, ces petites fées-là? Voilà. Ensuite, on ira prendre l'ange qui vous accompagne, puis après, on fera un tirage général. Je ferai les tirages sentimentaux dans un second temps, signe par signe, comme j'ai fait le mois dernier. Parce que je trouvais ça classe. Enfin, j'aime bien. Je trouve que c'est, je sais pas, c'est sympa de le faire comme ça. Pour les scorpions, signe ascendant lunaire solaire, pour le mois d'octobre, mes guides, s'il vous plaît, j'en appelle à mes guides, mes êtres de lumière, la source, les anges. Est-ce que je pourrais avoir des messages? Voilà, j'en ai trop. Non, j'en ai trop. Bon, ça me parle quand même de vie amoureuse et d'enfant. Donc, pour certains scorpions, ça vous parlera peut-être. Mais j'aimerais qu'une carte, s'il vous plaît. Un seul message. Vous avez un seul message à faire passer aux scorpions. Signe ascendant lunaire solaire pour ce mois d'octobre. Dette réglée. Vous n'avez que du positif, vous. Hein. L'amour, les enfants, dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc, on vous annonce que votre dette va être réglée. Ça peut être des dettes karmiques. Hein. Voilà. Parce que souvent, on pense pépette, on pense argent. La dette réglée, ça peut être des dettes karmiques. Voilà. Peut-être que vous avez une dette karmique avec quelqu'un, avec une personne, dans une situation. Et là, elles vont être réglées. Ce qui veut dire que ça va débloquer beaucoup de choses derrière dans votre vie. Vœux exaucés, ce que vous souhaitez devient réalité. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose et un changement là. Pour vous, il y a quelque chose qui bouge et qui change. En tout cas, c'est plutôt très encourageant et très positif, les scorpions. Bah, pour ce mois d'octobre, ça a l'air plutôt pas mal, quoi. On va aller voir ce que nous disent nos petits anges. Qu'est-ce qu'ils nous disent, nos petits anges? À tous mes êtres de lumière. Ouais, non, j'en ai trop, là. J'aimerais un seul ange, s'il vous plaît. Quel est l'ange? Voilà, merci. Suffit de demander, on a... Bah, tiens, l'ange des problèmes du passé. Alors, vous, vous êtes comme les balances que je viens de faire avant. L'ange des problèmes du passé, en d'autres decks, j'ai l'ange des nouveaux départs. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des choses du passé, là, les scorpions. Ou peut-être des façons de réfléchir, d'anciennes relations, d'anciennes façons de penser, d'anciens amis. Enfin, il y a des choses comme ça du passé qui n'étaient pas réglées, peut-être qui vont revenir pour se régler, puis pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes et aller vers quelque chose d'autre. Pour moi, c'est très positif qu'on ait l'ange du passé avec la dette réglée. Je vois vraiment une dette karmique plus qu'une dette physique, enfin financière, hein, je vous dis. Il y a quelque chose de lourd, hein, quelque chose qui pesait, peut-être un mode de fonctionnement, de réflexion, de... je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui est réglé et c'est définitif, quoi. Voilà. Hop et hop. On va faire comme ça. Quels sont les messages pour les scorpions, signe ascendant lunaire solaire? Ok, d'accord. Non? Non. Ok. Ah, si on me dit non, c'est que c'est non. Quels sont les messages pour les scorpions, signe ascendant lunaire solaire pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît? J'aimerais une carte. S'il vous plaît. Alors, pour les scorpions, signe ascendant lunaire solaire, pour le mois d'octobre, à tous mes êtres de lumière, mes guides, hop. Waouh, le 6 de coupe, l'amour inconditionnel, le fait d'être aligné avec ce que l'on souhaite au niveau de notre âme. Donc, c'est plutôt positif, le chemin d'une vie, vraiment. Beaucoup de travail qui a été fait pour vous les scorpions, hein, j'ai l'impression là aussi, hein. On arrive en fin de... Pas en fin de parcours, mais en fin d'un gros travail déjà effectué. Vous avez l'as d'épée, un nouveau départ, quelque chose de nouveau, des nouvelles idées qui arrivent à vous, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de concevoir vos projets, de réfléchir, de concevoir vos relations, d'aborder les choses. Vraiment, il y a quelque chose de nouveau. On est dans un nouveau départ, dans un 1. On va vers quelque chose qui... on a trouvé la lumière aussi, vous voyez, dans notre tête, dans notre esprit, dans votre façon de faire. Du coup, vous avancez comme un cavalier de pentacle, un cavalier de denier, où vous allez pouvoir mettre en terre des graines en étant intègre, conscient, fidèle à vous-même, ancré. Et vous n'êtes pas dans le doute parce que vous avez le bon raisonnement, vous êtes aligné avec votre âme et vous savez que ce que vous mettez en terre, ça va grandir. Vous n'avez pas besoin de regarder si ça pousse ou pas, vous savez que ça va pousser, quoi. C'est pas un souci, quoi. Voilà.
donc des nouveaux projets ou autres, le page de pentacle, bien sûr, qui va aller, le valet de pentacle, poser ça vraiment, quelque chose de solide, quelque chose de nouveau, un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Vous êtes beaucoup dans le 1, dans le page, c'est aussi trouver un nouveau projet, trouver comment s'ancrer, trouver comment avancer, et ça va peut-être venir à se libérer d'un passé, d'un mode de fonctionnement, d'une mode de façon de penser. Vous voyez, il y a quelque chose qui change déjà au niveau énergétique, et du coup ça va vous donner des déclics au niveau de la tête et pouvoir avancer et matérialiser quelque chose de différent, pouvoir voir plus loin avec le 2 de bâton. Vous allez pouvoir entreprendre, avoir une vision plus large, prendre de la hauteur, se mettre en explorateur externe, prendre de la hauteur pour pouvoir voir plus loin, voir plus haut et matérialiser quelque chose de différent pour vous. Vous voyez, derrière, j'ai vraiment le 9 de coupe où vous vous éclatez au niveau émotionnel, vous êtes dans le bonheur, dans l'amour total, et parce que vous êtes épanoui, parce que vous suivez votre âme. Et derrière, j'ai quoi? J'ai la papesse qui écoute ses intuitions, qui écoute son troisième œil, avec un as de pentacle qui va pouvoir mettre en terre quelque chose de nouveau, parce que vous laissez mourir, vous laissez partir des situations, des façons de faire, des façons de penser, des personnes qui ne vous correspondent plus. Vous allez vers quelque chose de différent, de nouveau et de bien plus productif et intéressant pour vous, là, les scorpions. Gros job aussi, les scorpions. Alors, est-ce qu'on peut compléter pour les scorpions, s'il vous plaît, sur le 6 de coupe? Regardez, vous êtes en pleine transformation et vous allez vers cet amour inconditionnel de vous-même, en fait. Vers le fait d'écouter son enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on voulait faire quand on était enfant? Où on voulait aller? Vous êtes en plein là-dedans. Besoin peut-être de vous isoler, de prendre du recul, de rester un petit moment seul pour faire un peu comme un 8 de coupe, faire une introspection à l'intérieur de vous, de votre cœur, de votre âme. J'ai l'impression que vous êtes déjà stable au niveau de l'âme, vous voyez, au niveau de votre cœur, ce qui vous fait vibrer. Mais vous réfléchissez à comment le mettre en place, en fait. Vous avez peut-être besoin un petit peu de calme, de solitude, de réfléchir à tout ça tranquillement, tout seul, parce que vous allez vers quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous savez que ça peut fonctionner. Soit avec une personne, soit dans vos relations. Vous voyez, vous allez acter quelque chose de durable. Hein. C'est pas un petit projet. Hein. C'est quelque chose qui va durer. Donc, ça peut être une famille avec quelqu'un. Ça peut être un nouveau projet au niveau professionnel. Ça peut être c'est la haute tour et l'éternité avec le signe infini. C'est quelque chose qu'on inscrit dans le temps. Voilà. Donc, on a besoin de réfléchir à comment on le met en place, ce nouveau projet, ce nouvel événement. Voyez, le page de pentacle qui va... non, c'est pas celle-là non plus. Alors, quand je les prends pas, c'est parce que je sais que c'est moi qui les fais tomber sans faire gaffe, en étant maladroite, parce que je vais vite et qu'à force, je suis un petit peu fatiguée. Quand elle saute vraiment en l'air et qu'elle tombe et que c'est les guides qui la font tomber, comme là, c'est pas moi qui la pousse ou rien, dans ces cas-là, je la prends. Tiens, on a l'âme. Vous écoutez votre âme et vous allez faire un nouveau projet, un projet de cœur, un projet d'âme. En fait, une mission de vie, quoi. Vous êtes aligné à votre âme. Donc, forcément, ça va fonctionner. Peut-être que pour l'instant, vous vous mettez encore à la seconde place et vous êtes en train de voir comment vous remettre à la première place. Vous voyez, peut-être que vous avez toujours l'impression, l'habitude d'être sacrificiel ou de pas forcément vous mettre à la première place. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous détacher de ce schéma et de, voilà, parce que vous avez peut-être réglé des dettes karmiques ou autres et que là, il y a quelque chose qui se règle au niveau énergétique de votre façon de fonctionner dans le passé et clac, ça va débloquer quelque chose. Vous allez vers beaucoup plus de fluidité, d'accord ? Bon, c'est positif aussi. De toute façon, c'est toujours positif, hein, les tarots, parce qu'au final, c'est un avancement. Hein, c'est un avancement spirituel qui nous appartient. Hein. Après, vous avez toujours le choix de vous dire, moi, je reste dans ce que je connais. J'ai pas envie d'écouter mon âme. Ça me fait peur. C'est juste aussi et c'est OK. Hein. Alors, sur le 6 de coupe et la mutation, comment on peut compléter tout ça? On nous parle d'enfants, de nouveaux projets, de nouveaux départs, peut-être un projet d'enfant, même aussi le fait d'écouter son enfant intérieur aussi, d'aller acter quelque chose de nouveau, quelque chose de léger, quelque chose qui va vous mettre en joie, quelque chose qui fait rayonner votre créativité, votre âme. On est dans un projet de cœur, un projet d'âme, un projet qui vous tient à cœur. Voilà, quelque chose de nouveau, ça peut être transformer sa façon de fonctionner avec ses enfants aussi, ça peut être écouter son enfant intérieur, vous voyez.
peut-être besoin de s'isoler justement d'amis, de proches, vous n'allez pas forcément trop sortir ou quoi, parce que vous avez besoin de faire le point au niveau de comment vous réfléchissez aux autres, là, aux choses, là, les scorpions. J'ai l'impression que vous allez être pas mal dans votre tête, mais pas dans la tête négativement. Des fois, on est dans la tête dans un 8 d'épée ou dans un 9 d'épée, on n'endort pas la nuit, ça nous crée des problèmes, on s'angoisse, on se stresse, on a peur. Là, c'est pas ça. Vous êtes beaucoup dans votre tête, mais parce que vous réfléchissez à comment mettre en place ce qui tient au cœur de votre âme, en fait. Et donc, vous avez besoin de peut-être vous isoler un petit peu d'amis, de famille. Regardez, j'ai encore l'amitié pour aller... Regardez, pour être un ami avec vous-même et acter quelque chose de durable justement avec vos amis et ensuite pouvoir vous reconnecter à eux. Mais c'est aussi être un ami pour vous-même, peut-être vous faire d'autres amis, vous isoler de certains et en garder d'autres dans vos projets. Peut-être que certains amis vont faire partie de vos projets. D'abord, voilà, il y a des choses à quitter, il y a des choses à créer. On a deux fois l'amitié, j'ai deux fois l'oracle des miroirs hein, là, hein, donc c'est normal, c'est volontaire. Je vous expliquerai peut-être un jour pourquoi, quoique. Regardez, vous êtes en pleine évolution, en pleine initiation spirituelle. On gravit les marches, on a encore cette notion d'escalier là, de roues qui tournent. Vraiment, les choses sont circulaires, ça tourne et ça augmente comme un colimaçon parce qu'on va vers une évolution, vers son âme. On va aller rééquilibrer ses polarités, se remettre au centre des choses, se séparer de personnes qui ne nous correspondent plus, retrouver des personnes qui font partie de notre âme. On vous dit qu'il y a un cadeau à venir, que vous, vous faites ce cadeau sûrement de vous mettre à la première place aussi. C'est un cadeau aussi. On a la santé, on reprend de l'énergie, on a beaucoup de clairvoyance aussi derrière. Donc c'est positif aussi votre tirage dans le sens où vous évoluez, vous vous séparez des bonnes personnes, vous re-rencontrez d'autres personnes qui vibrent plus pour vous, vous prenez les bonnes décisions pour vous, vous allez dans le bon chemin parce que vous êtes aligné avec votre cœur, vous êtes en pleine transformation interne aussi parce qu'il y a des dettes karmiques, des dettes tout court qui ont été réglées, il y a des problèmes du passé, des choses du passé qui ont été réglées, bouclées, baguées. On va vers quelque chose de différent, on va vers quelque chose de stable et vers quelque chose qui est aligné avec votre âme. Donc, on commence à entrevoir des perspectives bien plus positives et bien plus vibrantes pour nous, là, les scorpions. Qu'est-ce qu'on nous dit comme conseil pour vous, les scorpions, sur ce mois d'octobre? Signe ascendant lunaire solaire pour les scorpions pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on nous dit? La guerrière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Ouais. Alors, il faut sortir de ces peurs, mais moi, je ne vois pas de peur, là. Je ne vois pas de peur dans votre tirage. Je vous canalise par contre avec cette carte que vous allez trancher dans une situation. Vous allez prendre des armes, vous allez couper. Il y a certaines relations qui vont être coupées avec certaines personnes. Il y a certains modes de fonctionnement qui vont être coupés. C'est comme si là, vous vous dites, j'en ai marre. J'en ai marre de l'attendre. J'en ai marre. Je sais pas pourquoi j'entends, j'en ai marre de l'attendre. J'en ai marre de l'attendre, ce coup-ci, c'est stop, j'avance pour moi. J'en ai marre de toujours m'en prendre plein la gueule, ce coup-ci, c'est stop, vas-y, c'est bon, je la vois plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir quelque chose de pas, de tranché, de net comme ça, et vous savez que c'est bon pour vous, et tac, vous avancez vers autre chose. Et pour votre plus grand bien, j'ai l'impression. En tout cas, on vous conseille de trancher, de couper, de prendre des armes aussi si nécessaire pour aller crier vos idées. C'est aussi un as d'épée, encore un nouveau départ, une nouvelle idée, quelque chose de nouveau qui émerge dans votre tête, une nouvelle façon de penser. On est dans un nouveau cycle, quelque chose de nouveau qui se crée parce qu'on a nettoyé le passé. L'étoile mère, comment pouvez-vous vous materner ? Peut-être aller vers un nouveau projet où vous prenez plus soin de vous, vous êtes plus attentif à l'écoute de votre corps, de votre âme, de la personne que vous êtes. Voilà, prendre soin de vous aussi par la même occasion. J'ai l'impression que ça va être un tout. Vous allez réfléchir à quelque chose qui va aussi vous faire du bien. En conseil, on vous dit n'oubliez pas aussi de prendre soin de vous, voyez, de vous chouchouter, de vous materner, de prendre du bon temps pour vous, de vous apporter aussi de l'amour, de la tendresse et de l'affection si vous voulez qu'on vous en apporte aussi. Et là, je ne parle pas que d'un point de vue sentimental. Hein. Bien sûr, je parle d'un point de vue général. On est dans du général. Posez des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de poser des limites? Vous allez poser des limites avec certains amis, avec certaines personnes de votre entourage qui sont un peu des vampires énergétiques. Vous remettez votre couronne sur la tête. Il y a des situations qui ne donnaient rien, vous vous en séparez. Il y a des situations qui étaient positives pour vous et vous vous y rattachez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez pouvoir trier et mettre de côté les personnes. Voilà, stop, là c'est bon, je pose mes limites et j'ai l'impression que tout ce tirage vous amène aussi à ça et on vous confirme qu'il faut savoir mettre vos limites. Amusez-vous,
Prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieuse, mettez de la légèreté aussi un petit peu. Vous êtes en pleine évolution spirituelle, vous avez besoin de vous isoler, d'être un peu dans votre tête, mais vous avez besoin aussi de vous reconnecter à vos amis et autres, parce que ça va aider votre âme aussi à vibrer plus haut comme un enfant. Les enfants s'amusent toujours, hein. Ils sont dans l'instant présent, ils ne se posent pas la question de dans 10 minutes, une heure, quoi que ce soit, ils arrivent et voilà quoi. Et ça se marre, etc. quoi. Graines d'étoiles, qu'est-ce qui vous éclaire ? N'oubliez pas de regarder le ciel, n'oubliez pas de regarder vos guides aussi. Quelle est la personne, quelle est le peut-être aller chercher ses guides de lumière, vous voyez, quel est mon guide de lumière, quel est l'ange, l'archange qui me guide, quelle énergie me guide, à qui je peux demander conseil au niveau du plus haut, vous voyez, donc voilà, pour aller vers quoi, hein, bah, vers une transformation. Ok, on va aller voir votre âme, quels sont les messages de votre âme, qu'est-ce que votre âme a à vous dire, les scorpions, pour ce mois d'octobre. Scorpion, signe ascendant, lunaire, solaire, qu'est-ce que les scorpions, votre âme a à vous dire pour ce mois d'octobre, quel est le message de l'âme des scorpions, mes êtres de lumière pour les scorpions. Se laisser bercer, oh c'est chou, laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance, il n'est plus temps de faire, délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Donc vous allez être dans la réflexion, mais vous n'allez pas être dans l'action folle, dans le genre, vous voyez, on n'a personne qui avance au grand galop, quoi. Vous avez planté vos graines, vous savez où vous allez, comment vous y allez. Maintenant, il faut se laisser aussi couler, il faut aussi se laisser bercer. Ça me parle aussi d'eau, de fluidité, de douceur, vous voyez. Pas les grandes eaux, de douceur. Vous avez besoin de remettre de la douceur, les scorpions, dans votre vie, dans votre corps, dans votre quotidien. Voilà, on a besoin de ce côté cocooning, douceur, quoi. Vous allez mettre en graines et vous allez avancer, c'est pas le souci, mais on va pas forcément y aller au grand galop. Et c'est ok, on sait que tout est juste. Voilà, vous voyez, on est tranquille, quoi. L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Alors, où en êtes-vous par rapport à l'abondance? Peut-être que l'abondance ne se débloque pas, bah, parce que vous n'avez pas l'impression de la mériter, voyez? Il y a aussi ça, où vous en êtes par rapport à cette abondance? Posez-vous peut-être aussi des questions par rapport à ça. Pour moi, l'abondance arrive à vous. L'apprentissage, tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous sentirez vivifié et plus confiant. Bien sûr, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences, voilà, dans la vie. Et si on a fait ces expériences-là, c'est pour, bah, c'est pour pas les reproduire et expérimenter d'autres choses. On va aller voir pour vous quelle est l'énergie dans toutes les lames de tarot, dans quelle énergie on vous conseille d'être pour réussir à traverser ce mois d'octobre, les scorpions. La tempérance. Magnifique, c'est une arcane majeure. On vous conseille d'être dans cette énergie de la tempérance, c'est-à-dire de prendre le temps, de peser le pour et le contre, de ne pas être trop tranchant, trop piquant, les scorpions, des fois ça pique, vous voyez. Voilà, prenez le temps de faire les choses, prenez le temps de prendre le temps, prenez le temps de vous équilibrer, de vous amuser, mais aussi de réfléchir, de passer des bons moments, de couper avec les personnes, ça va pas, mais tranquille. C'est l'histoire d'une vie, pas d'un mois, quoi, tranquille, on y va, voilà. Et on vous conseille d'être dans les énergies de la tempérance qui prend le temps, qui s'équilibre, qui équilibre le feu et l'eau, vous voyez, qui prend toujours le temps de peser le pour et le contre, d'avancer tranquillou, voilà. Il y a cette notion-là aussi, d'accord ? Ça va vous aider pour traverser ce mois. Mais écoutez, voilà les petits longs. Hein. Moi, je pense que j'ai terminé. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Je vous fais des gros bisous. Et puis, on se retrouve très vite. Ciao.